La formation est un vecteur consensuel pour partager et diffuser la vision stratégique aux collaborateurs. La formation permet d'agir sur les compétences et le savoir-faire, et c'est ce qui permet de mener à bien sa mission. Et ça agit également sur les savoir-être, qui permettent de mieux se connaître, de mieux se connecter à ses besoins, ses aspirations. Ces trois dimensions, on les recherche, elles sont interconnectées. Ce qu'on souhaite, c'est aligner les moteurs individuels et collectifs de toute l'équipe à la stratégie de l'organisation tout entière. C'est là que vous intervenez. Raison pour laquelle vous avez un rôle prépondérant à jouer, c'est que dans ce monde 2.0, on est projeté dans un écosystème différent dans lequel les paradigmes changent. Cette fameuse révolution sociale qui casse les codes d'échange et de communication. Et bien justement, l'accompagnement au développement des compétences permet de travailler, de diffuser de nouvelles façons de fonctionner ensemble, de collaborer avec de nouveaux outils et de créer une nouvelle forme de lien.